Tout le monde. Ok, bon, là on est venu laisser les plans. On a déchiré les plans ensemble. C'est pour couvrir tout l'espace. Donc, il y a des questions de vous montrer comment est-ce que ces plans vous allez les mettre en terre. Parce que ça, c'est beaucoup d'argent. Si on met mal, on va perdre, on n'aura rien. Parce que vous allez creuser les trous. C'est physique, c'est dur, non? Voilà. Donc, il faut bien planter pour que ça produise bien. Et si ça produit bien, le boss va gagner, vous aussi vous allez gagner. Mais si ça ne produit pas, personne n'aura rien. C'est ça, non? Est-ce que vous voulez avoir, est-ce qu'on va rester sans rien? On va avoir quelque chose, non? Ok, donc. Pour planter, que ce soit mon palmier ou bien l'oranger qu'on va faire plus tard, j'ai mon trou de semis qui a été fait. Là, le trou a vraiment été très bien fait. Vous voyez? Maintenant, on a fait l'amendement. L'amendement, vous avez mis les fientes dedans. Le rôle des fientes, si vous connaissez son rôle, non? Pour que ça donne les nutriments à la plante plus tard, non? Voilà. C'est-à-dire que, comme on a mis ça quelques jours avant, vous voyez, ce n'est pas comme bien seulement porter le plant, on met directement le trou comme ça. Non. Sinon, les racines auront du mal à se développer. Donc, il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'opération de béquillage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le béquillage. C'est-à-dire que la fiente qu'on a mis là, je mélange ça avec la terre qui est dedans. Vous voyez? Là, ça rend le trou. La terre meuble pour que le plant puisse mieux se déployer avec ses racines et tout. Vous voyez que c'est. Maintenant, c'est d'abord compact, non? Maintenant, vous voyez que c'est meuble. Quand il met ma main, ça entre facilement. Donc, une fois j'ai fait ça, je prends mon plant. Que voici. Je débarrasse mon plant. Des mauvaises herbes de départ. Je débarrasse mon plant des mauvaises herbes de départ. Que voilà. Cette racine-ci, je peux l'éliminer. Une chose à ne pas faire, parce qu'on voit souvent ça dans les champs. Quand on demande de planter, les gens commencent un peu à bien planter un niveau. Ils sont pressés à voilà, juste fini. Dit que nos boss, on a planté tous les 200 plants. Ou porter les plans, mettre le trou comme ça, le plastique. Ça, c'est ce qui arrive. On voit ça régulièrement. Je ne veux pas voir ceci au champ. Si vous plantez, si vous êtes fatigué, manifestez que vous êtes fatigué, vous vous reposez avant de recommencer. Le but n'est pas de dire qu'on a tout planté, non. Planter 5 plants, 10 plants, mais
planter bien. Hein? Là, vous pouvez voir les trucs, les gens ont pris les trucs, ils ont mis des toiles de plastique. Ou bien quelqu'un prend le plan comme ça là, il coupe seulement comme ça, le bas s'il met au sol, non. Quand je prends mon plan comme ça, n'est-ce pas? Il est question de sortir mon plan avec toute la motte de TSC. Il ne faut pas voir le truc que quelqu'un prend comme ça là, il tire comme ça là. Non. Sinon la TSC va se dégager. Il faut qu'on mette le plan avec la terre qui est venue en pépinière. Or, pour y parvenir, qu'est-ce que je fais? Voici mon plan que je prends. Je viens sur le côté. Hein? Vous voyez bien, sur le côté. J'ai ma machette. Je mets peut-être un petit trait. Vous avez vu? Vous avez vu comme je fais sortir mon plan avec sa motte de terre. Je ne dégage pas la motte de terre du plan. Dans la délicatesse et dans la douceur. Vous voyez que là, j'ai mon plan qui sort entièrement avec sa motte de terre. Là, je peux facilement maintenant poser mon plan dans mon trou de semis que voici. Voilà mon plan, non? Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Cette terre-ci que vous avez fait, la terre de fond-ci, c'est comme tout à l'heure, tu voulais prendre ça pour remettre là. C'est le plus ça qu'on prend. Hein? Parce que c'est une terre qui a une profondeur. Et en termes de matière intuitive, elle est moins riche par rapport à la terre de surface. Donc ça veut dire que quand j'ai fini comme ça, je casse maintenant la terre de surface. C'est ça que je mets là.